Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet, Métropole, septembre 2017. Exercice 1. Un sac opaque contient 120 boules toutes indiscernables au toucher, dont 30 sont bleues. Les autres boules sont rouges ou vertes. On considère l'expérience aléatoire suivante. On tire une boule au hasard. On regarde sa couleur, on repose la boule dans le sac et on mélange. Question 1. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Écrire le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Question 2. Cécile a effectué 20 fois cette expérience aléatoire et elle a obtenu 8 fois une boule verte. Choisir parmi les réponses suivantes le nombre de boules vertes contenues dans le sac. Aucune justification n'est demandée. A 48. B 70, C on ne peut pas savoir, D 25. Question 3. La probabilité de tirer une boule rouge est égale à 0,4. Question 3A. Quel est le nombre de boules rouges dans le sac? Question 3B. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte? Alors, exercice 1, exercice de probabilité, tirer une boule bleue. Donc, P tirer une boule bleue, eh bien, c'est égal à, donc, le nombre de boules, c'est égal à, nombre de boules bleues, divisé par le nombre total de boules, nombre total de boules. Alors, il y a 30 boules bleues, 30 boules bleues, divisé par 120 au total. Alors, irréductibilité, on peut diviser par 3, donc ça va faire 10 sur 12 divisé par 3, 4, donc 40, et on divise par 10, 1 quart. Donc, fraction irréductible, 1 quart. Ainsi, la probabilité de tirer une boule bleue est de 1 quart. Alors, Cécile a effectué 20 fois cette expérience aléatoire, elle a obtenu 8 fois une boule verte. Est-ce que on peut déterminer le nombre de boules vertes contenues dans le sac? Donc avec seulement 20 répétitions de l'expérience aléatoire, on ne peut pas déterminer le nombre de boules vertes contenues dans le sac. Alors, le nombre de boules. Donc la probabilité de tirer une boule rouge est égale à 0,4, donc 3A. Alors quel est le nombre de boules rouges dans le sac? Eh bien, probabilité de tirer une boule rouge, et eh bien ça va être nombre de boules rouges, nombre total de boules, ou encore nombre de boules rouges, et eh bien c'est égal à nombre total de boules. On va l'appeler NT fois la probabilité. P. NT c'est 120 fois P 0,4. 120 fois 0,4, donc c'est 120 fois 4, donc 480 divisé par 10, et bien ça va faire 48. Donc il y a 48 boules rouges. Ainsi, quelle est la probabilité de tirer une boule verte? Ben, nombre de boules vertes, c'est le nombre de boules total moins le nombre de boules bleues qui est 30 moins le nombre de boules rouges 48. Alors 120 moins 30 moins 48, ça nous fait 42 boules vertes. Ainsi, la probabilité de tirer une boule verte donc c'est égal à 42 divisé par 120, ou encore, alors 42 divisé par 120, fait 0,35, donc égal 0,35.